أكثر من 400 أغنية هو أرشيف إديت بياف الذي اختارت منه النجمة العالمية باتريسيا كاس 21 أغنية غنتها على مسرح بيت الدين، حيث كانت إطلالتها 88 ضمن جولة كاس شانت بياف. Pourquoi Edith Piaf ? Alors, c'est l'anniversaire de la mort d'Edith Piaf cette année. Donc, c'est les 50 ans de sa disparition. Et puis, après, je voulais aussi faire un hommage à ses émotions, à sa douleur, sa souffrance, mais aussi la joie. C'est douloureux, non, pour toi aussi, de faire cette... Au début, il y avait de l'émotion. Maintenant, ça va parce qu'en fait, c'est des émotions que je connais, mais il y a aussi la joie. Hein. Il n'y a pas que le. Mais quelle est votre chanson préférée ? Sur scène, La belle histoire d'amour. C'est une chanson qu'elle a écrite pour quand il y a la mort de Marcel Cerdan. Je cherche à t'oublier. Je n'appartiens qu'à toi, je n'oublierai jamais nous deux comme on s'aimait, toutes les nuits, tous les jours, la belle histoire d'amour, la belle histoire. Et j'aime parce qu'il y a une... Il y a vraiment un... ce côté un peu perdu, abattu, et quand même une force d'interprétation, parce qu'elle était fragile et forte à la fois, je crois, et j'aime beaucoup ce passage sur scène. Voilà. On se demande, lorsque vous parlez de l'incarnation, de votre côté actrice, est-ce qu'on va vous revoir dans des films ? J'ai fait un téléfilm il y a deux ans, il s'appelle Assassiné, où je jouais le rôle d'une maman qui... perd sa fille parce qu'elle se fait assassiner. C'était un rôle très difficile pour moi parce que déjà je suis pas maman et puis il fallait beaucoup pleurer, beaucoup crier, ce que je ne fais jamais. Peut-être que je ressens pas le besoin parce que quand je suis sur scène, j'exprime ça, mais je suis toujours cachée derrière une mélodie ou un instrument. Oui. Et là, il fallait le donner comme ça, là, et j'ai mis 2 mois avant de donner la réponse, et puis je l'ai fait. Et c'était une très belle expérience. J'en ai gardé une fragilité, je suis un peu plus fragile qu'avant. Mais bon, je suis avant tout une interprète ou une chanteuse ou une artiste. Oui, on aime beaucoup. Tu me fais tourner la tête, on manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde